comme j'avais dit, c'est quand Aya Robert prend un sujet, on dit que elle finit le sujet. On dit que, j'ai dit voilà, laisse-moi faire ça, hein. On dit que le sujet prend solution, le problème même prend solution. On est encore assis aujourd'hui dans ce sujet ici de Simon Adingra. Mais on est assis, moi je pose des questions. Mais Simon Adingra, au final, il a combien de mamans? Il a combien de papas? Vous voyez que dans l'autre vidéo qui vient de passer, pas cette vidéo ici qui vient de passer, il y a une vidéo, une seule vidéo de Simon Adingra ici, j'ai oublié le nom, les titres c'était quoi encore? Ah, ma team là, Laissons les titres. Il y a une vidéo ici précédemment, il y a une vidéo ici sur notre chaîne de Simon Adingra ici. Si vous suivez bien le live, vous allez écouter que non. Il y avait des insultes dedans. Bon, je ne sais pas si ma team des editing ont mis cette partie-là. Là, on dit que non, la femme, là, c'est pas... Donc, d'autres disent que Simon Adingra, plutôt, c'est le fils de Maman Amouin. D'autres disent que non, c'est pas son fils. Parce que la maman, là, même là, il ne sait même pas qu'il avait enceinté. Pendant qu'on a vu sur la toile, je ne sais pas s'il y avait la photo. Bon, dans le live, là, il y a une photo là du papa de Simon Adingra. Vous pouvez même voir même qu'il ressemble à ce papa-là et puis il ressemble à sa maman. Mais on est assis aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va bien nous expliquer dans les lives de Aya Robert comment cette affaire. Comme j'avais dit que on a cette vidéo ici. Alors voici la vidéo qu'on vous avait promis de mettre. On va suivre ces lives tous ensemble et vous et nous. Et aussi, peut-être, prenez vos divans, oh, vos canapés, oh, prenez vos tabourets oh, et vos verres d'eau. Accompagnez de votre ceinture de sécurité. Amenez ça ici, asseyez-vous. Voyez que nous-mêmes, là, on va nous asseoir et l'étonnement va s'asseoir à côté de nous. Pour s'étonner de cette histoire. Moi-même, je m'étonne. Il y a des gens qui ont donné une solution des tests d'ADN. Moi aussi, même, j'ai même approuvé. J'avais dit que, ah, oui. La fin de cette histoire sera que le test d'ADN, c'est là qui va même prouver tout. Mais avec les yeux aussi, on peut voir. Mais est-ce que, bon, moi je parle trop ici, j'ai seulement de renchérir dans les analyses et le stress à la fin de cette vidéo. Alors, je pense que vous êtes prêts à suivre ce live ici. Il y a une dame là qui a chargé cette histoire dans son corps. C'est comme si Simon Adingra, même c'est son fils à lui-même, à elle-même là. Eh, désolé. C'est comme si Simon Adingra, c'est son fils à elle-même. Donc, elle a chargé cette histoire. Elle nous explique aussi des histoires tout deep. Dans cette histoire que vous n'avez pas peut-être encore attendu quelqu'un parler de ça. Seigneur Jésus, oh, je suis assise par terre. Alors, on ne peut pas justement passer à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ces moments en train de nous suivre. Alors, on vous salue tous. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez, peu importe qui vous êtes, on vous envoie vos salutations. Mais comme on dit toujours, une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la Terre, au pied le plus fort de la planète. Vous m'avez bien écouté. Aussi, on n'oublie jamais aussi de saluer le nouveau venu qui sont ici. Donc, vous nous avez apprises à partir de la vidéo ici. On vous envoie vos salutations. En tout cas, à ce moment ici, vous pouvez déjà vous faire abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Si vous voulez partager, partagez aussi. Mais aussi, donnez-nous vos avis dans les comment section très, très gentiment. Aussi, on vous invite aussi à passer sur notre playlist. Un pas en arrière, voyez là où c'est écrit vidéo. Pour moi, c'est en anglais, on va dire videos, shorts, playlist. Vous allez voir là, cliquez sur là. Et puis, il y a notre playlist qui est tellement long. Il y a plein de vidéos, amazing videos là-bas. Allez choisir, peu importe la vidéo qui va vous interpeller, peu importe la vidéo qui va appeler, donc qui va même vous choquer là. Même le titre est là que vous avez vraiment voir que, aïe, moi, je vais regarder ça. Regardez la vidéo, mais s'il vous plaît, vraiment, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas commenter à la vidéo sans avoir écouté les analyses d'Elios 13 à la fin de la vidéo que vous allez choisir. Même la vidéo ici, là, hein, à la fin, il y a les analyses d'Elios 13 qui va, voilà, à la fin. Alors, ne commentez pas sans avoir écouté les analyses d'Elios 13.
Pour l'instant, on débarque. Voici cette vidéo. Quand il dit toi, tu as venu appeler Aya, Aya va donner son dernier mot. Aya, s'il te plaît, on est sûr de parler, on attaque. On n'est pas sûr de parler. Mais Aya, il faut régler ça. Pardon, laissez-la parler. On est sur ton panel. Laissez-la parler. Tu nous as pas vu sur toi ton panel. Laissez-la parler, laissez-la parler. Je ne vous comprends pas. Je suis moi-même mon vrai profil. Je suis ici, en Côte d'Ivoire. Et puis je parle. Vous avez quel problème? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous cachez derrière caméra pour parler. Elles sont sur ton panel. Seni, attends, laisse-y terminer. Tu comprends, Aya? Donc, ce qui était tellement simple, c'est ce qu'on a dit là, la poutine. Maintenant, lui qui dit que pour on a tranché Aya là, non, Aya est venu, surtout moi, hier, je disais aux gens dans mon live que ceux-là, on n'a qu'à organiser un live, non. Ils vont se mettre, nous, on se met, et puis on présente notre preuve. On finit le débat. Ils savent qu'ils n'ont pas de preuve. C'est comme ça que l'une de mes modos est montée, elle a dit, Aya, comme ça, tu as nous dévancé. C'est pas mieux, on fait un live. Là, tu as jugé les preuves qui sont, toi, tu es neutre, et puis tu as contrôlé les preuves qu'on a. Donc, dis à Aya de venir être juge là, c'est pas mauvais. C'est pas manquer de respect à Aya. Donc, ça vous dérange en quoi, monsieur? Ça vous dérange en quoi? Je suis pas en train de mentir. Je parlais mes preuves à l'appui. Je ne suis pas une menteuse. Aya venait là, Aya demandait pas ta permission. À un moment donné, il faut respecter les gens. Moi-même là, je fuis les problèmes. Et on me connaît pour ça. Mais s'il y a mis les organes, c'est pas il y a mes preuves. Et cette maman-là, même le juge, je n'ai pas dit que ça fait pitié, c'est une mère. Il va se baser sur ses dits pour la juger s'il doit avoir un jugement. Sur elle-même, ses propres dits. Mais c'est elle-même qui nous a donné la piste de son enfant. Donc, il y a quel problème? À quel moment vous faites ça? Voilà, maintenant, moi, je suis en train d'une bonne de la poutine. Vu que la fille ne veut plus collaborer. Il y a la poutine, ah oui, ça, oh. Heureusement qu'ils ont enregistré un peu pour m'envoyer. Il y a un voyage tout à l'heure, écoutez, elle-même qu'elle ne veut plus collaborer. Et puis, on passe à autre chose. Mais moi, oh, je disais que c'était mon dernier là, parce que si elle ne veut plus parler du sujet, moi aussi, elle ne veut plus parler du sujet, c'est que c'est mort. Mais, ma question. C'est pour qui ta question? Vous êtes dans un débat avec Miss Dogbo que je ne connais pas, madame ou mademoiselle, excusez-moi si je dis votre nom, mais je suis chez moi, donc je peux parler de ma cour. Maintenant, il y a un monsieur qui se fait appeler, quoi là même, lui tous les jours il fait live H24, lui il en dit quoi? Lui qui quel monsieur? Ah, il y a un monsieur que nous, on voit tous les jours, ça s'appelle quelque chose, caca ou bien, qui, je sais pas, il y a un nom bizarre, là. Caca ou bien. C'est pas Mika. Ah, hein? Ouais, Mika. Mika. Non, mais Mika, lui, il est du côté de Miss Dogbo, c'est là, Gonyi. Ah. C'est eux, on demande preuve, et puis ils veulent pas preuve, là. Pourtant, depuis, quoi, on dit preuve. Libi, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Si vous demandez le test ADN à la maman, parce que moi, de ce que je crois entendre, c'est que elle n'a pas l'argent. Donc, les gens sont en train de cotiser pour qu'elle puisse faire ce fameux test. L'argent, là, ils ont bouffé, Tanti. Si tu veux jouer l'audio ici, ils ont bouffé l'argent, c'est des par la main. Elle a fini, pardon, elle a migraine. Il n'y a pas de choses, là, il faut finir ça, là, pardon. Faut laisser ma famille. Glagla, vas-y, ma grande dos, pardon. Toi, ici, là, de toute façon, tu es dans la fête à Dengra là même. Ça me donne même pas envie d'en parler. Parce que toi, tu nous as organisé un buzz ici. J'ai failli me battre les gens ici à cause de la petite servante là. La honte que j'ai portée là. Pardon, faut me déposer ici. Ma grande. C'est Nicolas. Pardon, Yézette. Oui, je parle. C'est Nicolas. Il y a qui? C'est un copain. Oui. Maintenant, Libi, moi, je dépose. Vous n'arrivez pas à faire, pardon. Si elle refuse de faire test ADN, ou si c'est le petit là qui refuse de faire test ADN, pourquoi vous ne mettez pas dans l'eau, vous ne vous apaisez pas? On dit le 7 septembre ou le 4 septembre là, Adengra sera à Abidjan pour un match amical. Essayez de voir avec la famille d'Adengra pour faire test ADN. C'est là la partie là même que mon basé n'aime pas. D'abord, on va aller tout doucement, ma grande. Je suis plus âgée. Allons-y, ma grande. Allons-y tout doucement. Logiquement. Vous êtes trop dans les émotions. Laissez l'enfant d'autrui d'abord. De un, son père, ça ne peut pas dire. Attends, ma grande. Je peux m'exprimer, s'il vous plaît. D'abord, quand tu as donné tout, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé Bécantien. C'est selon toutes les informations que la dame a données. Pour commencer, la dame qui a parlé de Bécantien. Il y a une famille qui s'est déclarée. Pour excuse-moi, Livy, parce que le nom de Kantia,
Vous dites ça. C'est Nick Rangba même qui est avec toi là. Je pense qu'il est à Caen, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc, il comprend le baoulé. Mais depuis, vous dites Bekanti, ça n'a pas été inventé, c'est vrai. Mais est-ce que tu connais la signification de Bekanti? Parce que la dame, elle a expliqué comment elle a eu ses enfants. Donc, son Bekanti, là, ça a une signification. Et son elle Bekanti, dit, la dame dit, elle a un extrait dans sa main. Sur l'extrait qui est dans sa main. Non, j'ai l'impression qu'elle refuse de comprendre. Celle qui a mis son enfant au monde, là, elle dit qu'elle a un extrait dans sa main. Quel est son extrait là? Sur son extrait, c'est écrit Dibi Bekanti Ulirich Amika. Elle dit qu'elle a un extrait dans sa main. Allez-y, regardez sa vidéo. Toi, allons-y tout doucement. Ils ne vont pas finir par comprendre, mais ils vont prendre du recul, ils vont comprendre. Au moins, je suis fatigué même de ça là. D'accord. Je refuse de comprendre. Moi, je descends pour les gens qui ne comprennent pas. Merci. Moi, je suis là. J'ai un fini d'écouter le Dieu. Il n'y a pas de problème. Il faut mettre. Mets le Dieu. À Bobo Doumé. Son papa s'appelle Dibi César Junior. Mais son nom, Baoulé, là, c'est Kofi. Toi-même, tu es né, ça veut dire tu t'appelles Kofi. Donc, normalement, on doit mettre ton nom. Dibi, Kofi, Simon, Atinga. Fils. Ton papa a changé ton nom. Si on n'entend pas, mamie. Non? On n'entend pas. Ça, il y a beaucoup de vent. Oui, c'est chez elle. C'est dans la vidéo. Ok. Tu t'appelles Dibi Bekanti Ulirich Amika. Je ne sais pas quel endroit il a changé ton nom. Depuis fort longtemps, moi, je te cherchais, je n'ai pas l'argent. Je suis pauvre, je n'ai rien. À cause de toi, de toute façon, ton papa t'a parti là. Quand il t'a pris à beaucoup de pays le matin, je suis parti faire travail de servante bonne pour que je puisse avoir 15 000 pour te prendre pour venir te donner à ma mère. J'ai fait un mois, je suis bonne là. Pour moi, je m'appelle te prendre ton grand-père. Il t'a pris pour aller à Bodoukou. Lui, il enseigne là-bas. Ton grand-père enseigne à Bodoukou. Il t'a pris pour aller. Je suis parti dire à ton papa de me donner minéré où tu veux, on t'a envoyé. Lui, il m'a dit que à la fin de le trouver, on va partir où ton grand-père t'a mené. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai plus vu. Ils ont été mélangés à Bobo-Doumé là-bas. Où ils sont partis là? Je l'ai plus vu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui où je te parle là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que tu es mon fils. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a orienté. Vous étiez en train de jouer à la télé, à Côte d'Ivoire là. C'est ça qui m'a montré. Donc actuellement là, je suis à ta recherche. Je suis ta mère, je m'appelle Yao Amoué Delphine. Je suis de Meronou à Tiébissou. Donc, c'est aujourd'hui, je t'ai vu à la télé, ça ici en train de te chercher. Depuis fort longtemps, il te cherchait sur Facebook. Il dit, moi, il ne comprend pas français. Je ne suis pas allé à l'école. J'ai dit ton nom, j'ai envoyé ton extrait et puis on lance sur Facebook. Aujourd'hui, comme je t'ai vu à la télé, Dieu m'a orienté vers toi. C'est ça, j'ai fait ça là. J'ai un frère qui est venu au village. Je lui ai dit, on n'a pas fait ça là, on va te chercher. Donc tu es mon fils. Il m'appelle Yao Amoué Delphine. Ton père s'appelle César Junior. Il est de Bokanda. Agba Bokanda. Son village, il y a plus Kwame Kuru. Mais ça, il sait. Bien, comme vous l'avez entendu, c'est la maman de notre champion. Oui, elle habite. Ils n'ont même pas encore de confirmation. Ils disent que c'est la maman de notre champion, André. Comment Attaquant, ça, c'est lui qui parle, non? On peut renchérir, non? Ok, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, Aya, tu as vu qu'elle a donné le nom du village du monsieur, non? Ouais. Ça correspond au monsieur, qui est policier, au deuxième arrondissement de Boaké, là. Ça correspond à son village. Le grand-père qu'elle a donné, là,
ça correspond aussi à ça. Le grand-père, il existe, il a la même position. Elle a même dit dans l'une de ses vidéos que le grand-père est un instituteur. Exactement. Au temps où l'enfant était né, le grand-père était un instituteur. Et le grand-père était un instituteur au temps où l'enfant était né. Après, il a fini, c'est quoi, conseiller ou bien c'est pas quoi là. Quand tu montes des grades dans l'instituteur là. Et le grand-père, il existe. Ils sont allés même l'interroger. C'est un baoulé, même un quoi de baoulé là. Qui a permis d'interroger où le grand-père est. C'est que la position qu'elle a donnée dans sa vidéo là, ça a permis au quoi de baoulé là de retrouver le vieux dans sa même position. Eux, ils l'interrogent. Et que moi, Olivier, comme j'ai dit, moi, j'ai fait un jeu d'intelligence, j'ai joué sur mon intelligence. Je me suis basé sur ce qu'il dit. Moi, je ne sais que dans mon beret avant, c'est ici qu'on m'a mis en contact avec la maman de notre champion. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon direct sur le je me suis basé sur ce qu'il dit d'abord. J'ai dit, bon, c'est tellement simple. Même ma grande écoute, elle dit, mais c'est simple, c'est être bête. Elle a déjà tout ce qui est dedans, on comprend déjà qu'elle cherche. Maintenant, quand tu nous donnes toutes ces informations, et puis tu nous insistes que c'est un dégât forcé là, nous, on a capté quoi pour nous? C'est ce que moi, je veux comprendre. Dibi, le Dieu est vivant. Dibi est vivant. Ton enfant est vivant. Même Viviane est vivante. Viviane, qui a fait notre vidéo là, la soeur du monsieur, elle est vivante. Carlos aussi est vivant. Donc, c'est quelle coïncidence, c'est plus tout ce que tu cites là. Elle se retrouve dans la famille en fait. Il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, tu as dit que c'est ADN. Le grand frère lui dit que lui, nos cas le laisser, lui son cas est chopé, comment il s'est passé même. Et puis, elle a laissé le frère de famille, il n'a pas aimé. Donc, lui dit que si elle est contente, elle dit que lui, il est fatigué. Comme elle dit que ce n'est pas son enfant, elle me dit que lui qui a boité là, ce n'est pas mon enfant. Moi, je connais qui a accouché, c'est frustrant aussi. Donc, lui dit que tu l'as beaucoup, ce n'est pas son problème. Maintenant, nous, on a tellement mis piment dedans que son petit frère dit bon, ok, monte demain là, il monte au village là-bas avec l'enfant. Pourquoi ils montent, ils allaient aller jusqu'en dans ton village, pourquoi? Ils sont allés leur faire tous les papas, ils prouvent que c'est ton fils. Ils sont d'accord pour le test ADN. Vous dites que vous cotisez pour le test ADN. Maintenant, commençons le test ADN à Bekansi. Mais vous ne jurez que pour Adinga. Mais c'est, voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, je comprends il pas. Il a une mère, sa mère aussi, elle communique pas qu'elle a porté son 9 mois. Elle a venu donner à quelqu'un pour faire quoi? Elle n'a qu'à faire le test ADN à Bekansi d'abord. Puis nous, on dit que c'est faux. Allons-y, vous voyez, c'est pas Adinga maintenant. Bekansi est prêt pour communiquer. Et ses parents même ont dit ma vidéo est là-bas. Allez-y voir son nom qui est venu commenter. Il dit que nous, on attend toujours le test ADN, on est prêt. Donc, pour qu'ils ont pu le tester ADN de Bekan, si d'abord il laissait le champion en paix, il n'a rien à voir ça parce que tout ce qu'elle a donné comme données ne correspond même pas à Adinga. Donc, pourquoi tu fais le bêtise? Est-ce que tu veux savoir? Aidez-moi, mais je suis trop bête. Je ne comprends pas. Ah, moi, je ne sais pas. Bekan, tu es là. On dit que c'est ton enfant. Elle va d'abord faire lui. Si on se tente, fait que ce n'est pas lui là. C'est là, nous tous, maintenant. On charge. Maintenant, pourquoi on dit qu'Adinga cherchait sa maman? Tu as vu une vidéo, ma grande, moi j'ai jamais vu une vidéo chez sa maman. Il y a un gars qui dit que lui, il a joué avec Adinga chez sa maman. Il ne cherchait pas sa maman. Ma grande, attends, je t'explique. Caprice, tu veux parler? Tu as dit quoi, Caprice? Oui. Adinga ne cherche pas sa maman. Ok, attends, j'explique à ma grande, s'il te plaît. Ma grande, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà promis à la vie, même que bon. De toute façon, il peut parler pour dire causer, et ça, c'est pas un problème. Et j'ai mes propres dit que je causais avec la maman pour le champion. Je t'explique. Parce que moi-même, là, c'est qu'on défend en même temps. En même temps, on est un peu mélangé aussi. Parce que toi-même, je me suis dit, heureuse. À faire des boîtes d'amour, je n'aime pas. Donc, je m'explique. La mère de notre champion s'appelle Ouattara Maraman. Bon, ceux qui me prononcent mal, hein, pardon, maman. Elle s'appelle Ouattara Maraman, la mère de notre champion. C'est un mec qui me donne la version. Hein. À grand, je me permets de le dire, c'est devant 1700 personnes. Je ne suis pas dans le mensonge. Moi, j'ai peur des problèmes. Hey, elle était papa d'Adinga, mais elle est musulmane et lui il est chrétien. Et autant là, affaire des chrétiens musulmans là, on vous connaissez que les parents jouent ça. C'est qui les a séparés. Mais Adinga reste avec sa mère pendant un certain âge. Vous qui êtes ici, qui êtes ivoirien comme moi, vous savez que la loi ivoirienne dit au père, à 7 ans, tu peux récupérer l'enfant dans la main du père et de la mère, et puis il peut vivre avec toi, mais elle peut aussi le voir de temps en temps. C'est pour ça qu'il y a un certain âge, je ne confirme pas l'âge parce qu'il ne faut pas venir monter, on ne va pas donner l'âge au. Mais elle a dit au moins qu'Adinga est resté dans sa main pendant un moment. C'est pas qu'il est passé bébé, mais il est passé un certain âge. Il était petit garçon normal. Et son père l'a récupéré. Ange, mutez-vous s'il vous plaît. Et son père l'a récupéré. Que son père l'a récupéré parce qu'il a eu une nouvelle femme. Et c'est cette femme-là qui a élevé Adinga en un mot, de l'éducation, vu que c'est elle qui est la femme de son père. Parce que vu cause du mariage qui n'a pas marché, à cause du côté musulman de la maman d'Adinga, elle s'est remariée. Il s'est remarié avec quelqu'un et à un certain âge, il a récupéré le petit sous son toit pour l'éduquer. Et la preuve, on est au stade, il y a les deux mamans.
Il y avait la mère adoptive. J'ai oublié son nom, m'envoie pas mes avocats, mais si on live, si on allait jouer le nom ici, j'allais entendre. Il y a sa mère adoptive au stade, il y a sa mère biologique, qui est Ouattara Maraman, qui était là. C'est vrai. Voilà, donc ces deux, Adinga ne cherche, n'a jamais cherché sa mère. C'est, il y a deux moments, celle qui l'a élevée, qui est la femme de son père, et sa mère qui a toujours été là, comme sa mère me l'a dit elle-même. Moi-même, je venais souvent voir mon enfant ici. Je le voyais, il venait à Abidjan le voir, je venais le voir de temps en temps. Je me vois qu'est-ce qu'il dit de la dame. Je suis pas en train de me dire. Maintenant, Maud Delphine, maman de Bekanti, elle a dit une chose. Est-ce que c'est vrai que le grand-père était instituteur ou professeur à Bandoukou? Non, le grand-père d'Adingra, Angie ne sait même pas lire, il n'a jamais été à l'école. Mais par contre, le grand-père de Bekanti, oui, il était instituteur. Oui, il était instituteur. Il était interrogé par le chef des quoi, des Baoulés, un truc comme ça. Il était instituteur. Il était interrogé par Baoulé TV, il était vraiment instituteur. Mais est-ce qu'il était là où elle a dit là? Oui, il a la même position. Où elle a dit là? Il a toujours sa même position là-bas. Il est toujours à Bondou. Oui, il a sa même position. Il n'a pas encore bougé. Mais il est devenu très vieux. Apparemment, il est trop vieux de les malades. Il a vieilli même. Il a vieilli, oui. Au fait, là, tu te fatigues. Arrête de gâter ta salive pour rien. Au fait, tout est dit. C'est la dame qui est sortie. Si elle sortait, elle disait que Adingra est mon enfant, point bas, il peut avoir trop de... On peut se poser toutes les questions. Adingra, c'est mon enfant. Vous-même, vous donnez des détails. Ton papa, ça fait tant. Il était eu ici. Et puis, il s'est avéré que tout est vérifié. On va trouver un enfant, on te ramène. Dis, l'enfant, c'est pas pour toi. Pourquoi? Maintenant, le père de l'enfant, vous venez de faire comprendre aux gens tout de suite. Le père de l'enfant donne sa position. Je suis policier. Monsieur, il est au deuxième... Attends, je répète encore. Monsieur, attends, motion. Je répète encore, le père de Dibi Bekanti dit, si vous le cherchez, venez au deuxième arrondissement à Boaké. Deuxième arrondissement de Boaké. Il nous attend. Il n'y a pas de test d'ADN ici. Il n'y a même pas question de test d'ADN. La femme n'a qu'à prendre ses parents, le monsieur qui l'a enceinté là. Elle sait où il est, ils vont le raconter. Où il voit pas où est le débat. La femme ne dit pas la vérité. La femme ne dit pas la vérité parce qu'ils sont partis dans son village. Les villageois ont reconnu que Bekanti est son enfant. Juste que se sont serrés la main, tout ça là. Maintenant, dans quel coup, elle est revenue encore, elle a quitté la maison, elle est partie. On dit de monsieur, son frère dit non, que ma soeur était à la maison. Mais comme elle savait que elle, tout de suite, ma soeur à la maison, mais Ahaï, elle est partie où? On ne sait pas où elle est partie. Maintenant, Caprice, en entendant le débat. Que... Caprice, quand tu dis les gens se sont serrés les mains là, mais la chefferie qui est sortie pour soutenir la dame là. C'était qui? C'est la question. Ils sont allés parler, ils ont fait sortir l'extrait, tout ça l'a montré aux villageois. Ils disent oui, l'enfant, c'est notre enfant. Oui, vraiment, c'est notre enfant, que c'est notre soeur qui s'est trompée, mais excusez-nous. Que Bekanti, tu peux venir, tu es notre enfant. Maintenant, ils ont demandé après sa maman. On dit sa maman était là tout de suite. Et puis, mais dans quel coup sa maman est partie. Donc, ils ont se sont serrés la main. Ils ont dit à Bekanti, il faut dormir. Demain, tu vas partir. Son papa dit son oncle a dit non, il ne peut pas dormir parce qu'ils ne sont pas venus pour faire dormir, qu'ils vont se retrouver. Donc, ils sont restés quand la femme n'est pas. Il dit va partir et puis revenir une prochaine fois. Ils sont restés quand la femme n'est pas venue. Donc, ils sont partis. Maintenant, ils sont partis là. C'est ça, le lendemain, elle est sortie. Miss Degbo fait vidéo. On entend que non, le monsieur, l'enfant, c'est l'enfant de. C'est pas motion, l'enfant du. Motion, j'ai expliqué mieux quelque chose, ma belle, s'il te plaît. C'est pas l'enfant de la dame que c'est l'enfant de. Caprice, motion, s'il te plaît. Caprice, est-ce qu'elle entend même? Caprice, ils ne vont pas comprendre tout ça. Allons doucement, ils vont comprendre. Allons doucement, ils vont comprendre. Mais je vous réponds. Vous savez, lorsqu'il. On peut parler. Attends, je peux parler. Caprice. Oui, vas-y. Voilà, Caprice, va doucement. C'est comme ça, ils ne vont pas comprendre. C'est compliqué l'histoire là. Il ne va pas bien se fatiguer. Voilà. Caprice, je t'explique. Quand ils sont partis, lorsque l'oncle de. Mais quand ça en avait marre, il a dit que même si toi tu es en colère contre elle, moi pour laver l'image de notre nom, moi je vais partir avec l'enfant. En partant, il a fait escale. Donnez-moi dans les commentaires le nom de la ville là, pardonnez, j'oublie tous les jours. Une ville Baoulé là. Donnez-moi en commentaire, il a fait escale.
dans la ville. Vous pouvez mettre un commentaire, je vais dire ça, j'ai oublié le nom. Dans la ville, ils sont partis avec le CB de la gendarmerie. Atiebissou, merci la grande. Voilà, ils ont présenté les papiers à nous. Comme moi, je suis gendarme, je suis en fonction, mais je vais régler un problème. Donc, vous voyez, c'est le problème. Il a dit, présente les papiers, il a tout montré les pauvres CB. Le CB dit, ok, donc je vais au moins vous accompagner. Mmh. Arrivés là-bas, ils ont allé voir le sous-préfet. Ils ont présenté au sous-préfet de la ville de la dame, mais je ne sais pas comment on l'appelle chez elle là. Ils ont présenté. Le sous-préfet dit, ok, et ça, on peut partir. Il y a le sous-préfet, il y a le CBO, plus lui-même l'oncle en question. Qu'ils sont allés, ils ont réuni le chef et ceux qui étaient là. Ils ont présenté tout ce qu'il y avait comme preuve. Tout ce qu'il y avait comme preuve. Moi, vous avouez qu'il y a un bouillot. Moi, il n'y a pas de moins 1600 personnes, il n'y a pas de pression. Donc, arrêtez votre commentaire de vouloir mélanger les gens. Donc, ils ont montré tout ce qu'ils ont comme preuve. Le BPC du petit, l'extrait du petit, la carte d'identité du père. Ils ont tout montré. Il y a même une photo même. Moi, je sais qui m'étonne, ce n'est pas le monsieur qui t'enceintait, mais lui, il a une photo de toi chez lui. Ça, là, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a une photo de toi en sa possession, mais lui, toi, tu ne le connais pas. La photo aussi. Livy, tu as tout dit. Non, mon grand frère, pardon, il a parlé. Parce que c'est comme si, genre, nous, on est bêtes. Moi, je prends le risque de laisser mes enfants parler d'un problème. Aïe. Il a même montré tout ça, là. Il a montré tout ça, là. Et ils ont vu que, ah, vraiment. Et il vous dit encore quelque chose. Ah, il y a une confession. Tu sais qu'il y a un petit, il y a un cousin de Bécancy qui lui ressemble très, très là-bas. Quand on dit qu'ils sont comme des jumeaux, ils ont dit, il ressemble à son frère là-haut. Ils ont reconnu le petit. Et l'oncle a pris la parole. Ah, il t'envoie l'oncle hypocrite là. Le comportement qui est celui-là. Il a envoyé la vidéo, il a dit, ah, vraiment, moi-même, quand il m'a expliqué, il a dit, ah, il y a ressemblance, mais ça ne correspond pas à ce que tu dis, mais ce que tu donnes, ça peut ne pas être ton enfant. Vous avez dit, ah, il va recevoir toutes les preuves, ne vous inquiétez pas. Ah, il ne croit pas sur parole. Il va recevoir tout sur les preuves. Tu as ton deuxième téléphone, non, il a coupé. Attends, il a coupé. Les amis, pardonnez, attendez, écoutez-moi. On va revenir demain, il y a besoin de mon téléphone. Écoutez-moi, monsieur Obenan. Moi, j'ai dit. Non, je vais couper mon live. La femme, là, va lire le livre. L'enfant a un problème. L'enfant n'est pas pour toi. Une personne, tu fais ton enfant, tu connais ton enfant. Pardon, Caprice. Pour te jouer ce que l'oncle même a dit, son Dagbashi, il a fait quand ils sont passés. Attends. Je viens, tu as écouté comment il était en train de s'exprimer. Vous allez écouter, ouais, la vidéo. Voilà. Je te montre. C'est fou que Miss Dogba a rassemblé pour se faire remarquer là qui vous intéresse. Ok. Attends, je vais mettre en caméra. J'ai retourné la caméra. Voilà. Dans la bouche là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez même? On n'entend pas trop. Hein. Attends, c'est que non. Attends, il y a ça comme ça. Mais pourquoi tu vois la vidéo? Attends, je ne sais pas comment il est placé. Mais... Bon, vous voyez la vidéo, mais il a joué l'audio seulement. Vous voyez que c'est lui qui parle. Lui qui a pris le tour de Yakuba, là, c'est lui qui parle. C'est le même qui a pris le vocal. Vous parlez fort là. Vous allez l'écouter maintenant. Il y a mon levant caméra, il a joué l'audio. Voilà, on va rejouer la vidéo. Elle m'a trouvé avec des photos de l'enfant, avec les photos de lui, et son homme même. Mais comme la photo a duré au niveau du visage de l'homme là, voilà, c'est un peu fou. Mais l'enfant, quand il était accouché là, où l'enfant était assis, ça est dans sa main. Donc elle a tout de nous. Je peux m'accaler de ça d'atteindre. Et ça s'en fait ce qui est dit. Vous avez les preuves. Parce que ce gars, le nom que tu m'as dit là, avec le nom du gars là,
c'est pas les mêmes. Il faut aller doucement, que cela n'existe pas. Si c'est le même nom, non, si moi j'ai un bonheur, je serai le premier, moi, tata. J'étais au devant du dossier. Mais dans notre appareil là, c'est pas le même. Et il faut arrêter. Ça y est, là, des fois maintenant, je vais au bord, je suis sur ma moto, on m'appelle, les enfants t'atteindra, j'ai dit si vous répétez là, c'est comme je connais ici, dans ce plan, je parle en détail. Et voilà, c'est comment je vais être, j'arrive à manger. Donc je suis parti. J'ai perdu mon gros téléphone. Il y a un jeune qui a voulu voler ça. Les amis m'appellent, ils viennent voir la vidéo qu'ils ont fait. Aïe. De mon frère qui insistait même, de l'appeler. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, mais les gens ont balancé et moi j'ai vu. Donc, la dernière fois on s'est vu, je lui ai dit, ce que tu as fait là, c'est très dangereux. Même si en réalité, même si c'est ton fils, que les gens peuvent t'aider là, par rapport à ce que tu as fait là, ceux-là tu veux, ils peuvent t'aider là, ils ne vont plus le faire parce que ça là, les conséquences là, pas facile. Donc il faut arrêter ça. La dernière fois, j'étais le jour là, il a plu là. Le père a fait ça, moi, puis on était dans le T4. Après la pluie, il y a une moto qui est venue, il y a deux personnes dessus. Un gars est taxi moto avec une femme. Elle dit, elle a pu se présenter, elle fait un TikTok. Il est venu chercher la femme qui fait vidéo là. Alors c'est elle était là. Là, mon cousin jeunesse, je l'ai fait venir là. Matin, bonheur très tôt, parce que j'ai, dans cette place, on a un problème, il y a beaucoup qui sont morts dans l'eau. Donc, trop d'étrangers. J'ai pété là, à faire du vent. Donc, matin, bonheur, je suis venu. Je suis venu saluer la femme. Il a dit, madame, il a quitté à Paris. Eux, ça cause de ce dossier, on est arrivé, on est parti à Morono. De Morono, on est retrouvé à Morono Blé. De Morono Blé, vous sentez que c'est ici. Soyez les bienvenus. Ici, dans le village, on a un sous-préfet. Je suis le preneur de vie du Tati. Et celle-là, c'est ma propre nièce. Si en réalité, si c'est à cause d'elle où elle est arrivée, attendez, avant de 8h30, 9h, le commandant sera au bureau. Moi, je serai devant vous. Pourquoi vous êtes arrivé? Moi, je suis le commandant. On va vous interroger. Le commandant est là. Si il vous donne l'autorisation de le faire, vous allez le faire. Sinon, venez faire du dans l'essai là, pour la créer les problèmes. Commandant, quand j'ai dit ça, c'est-à-dire, je me suis mal comporté. Elle-même ne m'a même pas écouté. À ma grande surprise, il y a un homme qui est arrivé ici avant-hier, ils sont allés m'appeler ici, quand elle est venue chez le chef ici. Elle dit, elle fait du temps que sur sa page, elle s'appelle la mère de Tibissou. Il y a quelqu'un de Goufia, c'est une baoulée. On a appelé, on a cherché, jusqu'à le jour. Moi, je n'ai pas son numéro parce qu'on ne s'entend pas. Donc, on a demandé, dit, si il y a un numéro, je vais donner. Et moi, j'ai dit, c'est ma propre. Il y a ce jour-là, ça, elle-même, sa maman était ici au funérail. Et puis, elle a demandé, il y a un nom. On a appelé jusqu'à vers le soir. Et puis, on a eu elle a dit que, peut-être, que depuis le matin, là, il a son fils qui est en demande après lui. Il dit, matin, maman, elle réveille très tôt. Que je ne l'ai pas vu. Je lui ai dit, est-ce qu'ils ne sont pas venus à Kinaré? Parce que par rapport à ce qu'elle fait là, après, peut-être, elle a vu le numéro, elle m'a appelé. Je lui ai dit, tu es où? Elle me dit, je suis à Divo. Elle me dit qu'elle est à Divo. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es parti? Ça me dit, au revoir. Donc, je lui ai dit, ce que tu fais là. D'autres peuvent te blaguer en disant que nous sommes des journalistes, on veut t'aider. En pourtant, il y a un plan B. Que vraiment, il y a une femme qui est venue ici. Comme tu as l'habitude de faire des titres, elle est venue. Bon, j'en viens de vous. Elle va vous interroger les peurs que vous aviez. Et puis vous dites, cet enfant-là est votre fils. Il dit, ah, je suis en déplacement. Et puis ce jour, on ne s'est plus dit. Sinon, la femme en question, là, les mamans, ici, elle est venue. Donc, j'en sais. Aya, est-ce que tu as bien compris? Ouais, j'ai écouté un peu. Il était en train de se désengager, en fait. Voilà. Que lui-même dit, c'est pas comme ça. Mais ce que tu me dis, là, ça correspond pas. Mais il dit que c'est le son. Même oncle, là, quand Miss Dogo, vous savez, ses yeux de fou, j'avais montré qu'elle est quelqu'un sur les réseaux. Donc, elle a fait Dagbashi pour faire une collection pour réunir tout le village.
Donc c'est lui qui a pris Vodafone même pour dire qu'il a changé de bouche encore. Et que le même a changé de bouche encore. Et Vodafone, qu'ils sont venus, mais ils ne savaient pas que cette vidéo-là, nous, on avait ça. Celui, il ne savait pas que ça, ça existait. Pourtant, les 10 billes se sont amés pour garder le pays. Voilà. Et que lui, c'est lui-là. Il ne sait pas que j'ai lu cette photo, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais il ne s'attendait pas à cette vidéo. Vous mettez dans les commentaires, il faut écouter les deux côtés. Moi, j'ai deux côtés, on a fait un organisé, je ne sais pas. Une qui m'a pas. D'après. Aya, si tu veux, mais il y a joué la partie, mais où on était garé. Je vais entendre, ok. C'est pas dans les conneries, oh. Attends. Quand vous pensez que l'homme est bête, vous venez se mettre dans un problème sur TikTok ici, là. Mais moi, il n'a rien à faire de ma vie. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la terre. Pourquoi pas de la planète? Voici, je vais me blesser pour vous, guetteurs. Aussi, bon retour aux nouveaux venus. Si vous êtes ici nouveau, comme on vous avait déjà dit, de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche notification. Tout le monde est nouveau, anciens abonnés, aimons la page, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas, vous aimez Helios 13. Donc, si vous êtes déjà abonné ou guetteur même, vous pouvez même aussi aimer la page. Aimons la page, partageons. On dit que certaines vidéos, on en aura besoin. J'aime dire ça. Nos abonnés ici savent me dire, j'ai quelques dires que je répète toujours pour les rappeler, pour rappeler à tout le monde. J'ai dit, oh, les secondes ont dédié sur les temps, la vérité sortira au moment de la vérité. Il y a notre musicien qui a chanté la vérité, quoi? Le mensonge est descendu avec l'ascenseur, mais la vérité a pris les escaliers. Mais toujours, ça va arriver, voyez. Quand la vérité arrive, là, même si ça arrive en retard, c'est la vérité, oh, c'est la vérité. Voilà. J'ai dit aussi, les 6 peuvent tourner en 9 à n'importe quel moment. Ne prenez pas de part, comme Helios 13. Ne prenez pas de part. Quand vous commentez, quand vous renchérissez là, dans les comment section, ou comment, faites ça doucement. Faites ça vraiment, vraiment avec beaucoup de réserve. Car aujourd'hui là, vous pouvez voir le sujet part comme ça à gauche. L'autre jour, on se réveille ici, ça part maintenant à droite. Ou bien ça vient au milieu. Et vous avez déjà beaucoup parlé. Vous avez déjà beaucoup renchéri. Vous avez déjà peut-être insulté ou quoi. Et voilà le sujet qui quitte votre camp, qui traverse l'autre camp. Vous allez faire comment? Alors, il faut être sage dans les dires. Il faut être sage dans les commentaires. Comment vous commentez? Comment vous prenez l'histoire? Tout autant en étant respectueux, mais aussi à donner votre avis dans les comment section. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, dans cette histoire, on vient de suivre, on vient d'écouter. Que disons-nous? Les secondes de Dieu, c'est le temps. On attend. On attend pour voir. On attend pour écouter. S'il y aura un test ADN. Parce que, j'ai dit, oh, quand un sujet est déjà sur les réseaux sociaux, là, ça n'échappera plus. Ça n'échappera plus. Ça fait, c'est comme si ça dort, mais un jour, ça va se réveiller. Si ma maman, à moins, va faire test ADN, et puis, Adenga aussi va faire test ADN, si ça va sortir là, ça va tout sortir sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit toujours, je vous dis toujours, désolé, je vous dis toujours que vous et nous, kocho, jusqu'à la gare, on ne dépose pas à la rue quelque part, on ne dépose pas quelque part. On vous amène jusqu'à la gare. Et le jour où la vérité va sortir, on sera ici. J'ai pris que Dieu vous donne une très longue vie. Que Dieu vous donne le Wi-Fi. Que Dieu vous donne le méga. Que Dieu vous donne de bons téléphones, de bonnes télévisions. Hein? Aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent à partir de la télévision là, qui ont Smart TVs. Ils mettent Helios 13 sur leur télé. Ils nous suivent. Que Dieu vous donne une très smart, bonne Smart TV là. Très jolie Smart TV là, durable. Que un jour, on s'en soit encore ici pour dire que Aïe, Helios 13, qui avait dit ceci, cela dans la vidéo, ceci, cela. Le titre est comme ça, comme ça. Comme moi, j'aime beaucoup rappeler les titres là. On va nous dire ici au Helios, dans les titres de la vidéo, comme ça, comme ça, comme ça là. Hein? Qui avait dit, la personne ici avait dit ceci, cela. Comme ça, on va tous nous asseoir par terre. Comme ça, on va tous regarder, on va voir réellement. Tout ce qu'on fait dans des réseaux, ça reste. La vidéo ici, là, je peux effacer ça. Hein. Je peux même aller sur YouTube, j'efface ça. Mais qui a copié les liens?
Moi, je ne sais pas. Qui a partagé là? Moi, je ne sais pas. Hein? Qui a gardé le lien de la vidéo? Moi, je ne sais pas. Alors, qui fait ce qu'on appelle screen recording? Moi, je ne sais pas. Les captures d'écran, voilà. Qui fait les captures d'écran? Moi, je ne sais pas. Ils peuvent toujours avoir cette vidéo ici. Alors, c'est pour cela que j'ai fait vraiment trop attention de ne pas trop mettre du sel dans les affaires comme ça. Parce que dans les histoires comme ça, il y a toujours des parties de raison, toujours des parties de tort dans les deux côtés. Vous voyez? Moi, là, je ne sais pas. On dit que il faut pas que Simon Adenga fasse test ADN. Parce que Simon Adenga n'a pas le temps de faire de prendre ce sujet ici à cœur parce que lui-même, il connaît qui est sa maman, qui n'est pas sa maman. On ne sait pas. Alors, on s'assoit encore. J'ai pris bien pour vous qu'on se retrouve tous ensemble à la prochaine épisode. Peut-être dans le prochain épisode là. L'un de nos prochains épisodes, ça sera encore le vérité sur ces sujets ici. Qui sait? Personne. Alors, je vous invite tous nouveau à 5 abonnés de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je garde. On me fait signe là-bas. Je garde. Gardons ces éléments. Alors, vos gros bisous. Soyez bénis. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.